Gagné en pile haïtien qui rivait retirer tête yo dans programme Biden nan, tant que ou pas même connaît n'a vinn di ou qui raison qui fait que eh bien compatriote sa yo retirer tête yo dans programme Biden nan, yo pas capable participer encore. Gagné pays Chili qui était vraiment chaud hier mercredi par rapport avec yon tentative de coup d'état pour président en place là, n'a parlé de Luis Arce. N'a vinn wè plus détail par rapport avec tentative kidnapping ça qui te gagné hier dans pays Chili qui fait que dans pays Bolivie qui fait que eh bien même l'armée t'est obligé déployer par rapport avec appel président Luis Arce t'est lancé vis-à-vis de tentative de coup d'état ça. Gen président ukrainien Volodymyr Zelensky, monsieur ça qui en visite dans pays Belgique, nous pral wè nan ki objectif eh bien président Volodymyr Zelensky rive nan pays Belgique. N'ap commencé ensemble avec information yo zami internaute, n'ap démarré avec question programme Biden. Nous connaissons le programme ça qui prend naissance dans la date janvier 2023. C'est le président américain Joe Biden qui lui-même est venu ensemble avec un tel programme. Et le programme Biden, c'est un programme eh bien, qui l'a spécifiquement pour Haïtiens, pour Nicaraguayens et Vénézuéliens. Eh bien, il y a un pile Haïtiens, amis internautes, qui oblige retire koyo nan cadre programme sa, yo pap ka participer encore nan cadre programme Biden nan. Nou pral wè pou ki raison ki fait que yo pap kapab participer nan cadre programme parole humanitaire là que nous connaît sous nom programme Biden. Pour haïtien sa yo ki disqualifié nan cadre programme parole humanitaire, programme que nous relé programme Biden nan, gen yon groupe haïtien ki yo même retire tête yo sans que yo pa rend compte nan kat programme ça. N'a pas rappelé que programme ça li pa gen yon date bien spécifique ki lè la fini et ki lè la expiré. Puisque li pa gen yon date la expiré, ça qu'arrivé jounen jodi an n'importe moun ki pa gen moun pour appliquer pour yo, n'a parlé de sponsor. Li arrive jwenn yon sponsor et sortan de yon li kapab rentre nan kad program sa. Et bien, gen pil bagay mal yon moun kapab fè par rapport avec action malhonnête sa, fè que ou disqualifye tèt ou sans que ou pa même rentre nan kad program si la ki rele parole humanitaire, mais en pil moun konnen sou nom program Biden. Yon nan bagay, emye yon moun kapab fè, ki kapab la cause que li pa kap participe nan programme Biden nan, se lè ke wap komploté contre les États-Unis d'Amérique. Ou se yon terroriste, wap komploté contre les États-Unis d'Amérique, emye yon te met aplike pou ou pap assiste tirage, ou pap karive nan pays États-Unis par rapport avec complot que wap manigansé contre pays ça qui c'est les États-Unis. L'autre cas qui gagnait encore qui ka fait que ou pas ka participer dans programme ça qui est le programme parole humanitaire là, en pile moun connaît sous nom un programme Biden, eh bien c'est moun kap utilisé voyage clandestin yo. Moun kap utilisé des moyens bien spécifiques ou capable rentrer aux États-Unis illégal. Il y a plusieurs monde qui utilisaient soit la mer. Laisse nous parler de boat people, des voyages clandestins ou bien tout, yo utilisaient plusieurs terres, yo utilisaient plusieurs forêts. Yo passé par bois, ça nous relait voyage terrestre là pour que yo capable rentrer aux États-Unis. Nous connaissons plusieurs compatriotes qui dans pays Brésil, qui dans pays Chili, qui te kon utilisé forêt d'Arignan pour que yo capable tomber États-Unis. Yo passé par plusieurs pays, yo utilisé frontière plusieurs pays,
c'est des voyages à risque que voyage ça eux-mêmes yoté connié pour compatriotes. Eh bien, dirigeants américains qui voient que en pile moun a utilisé forêt, faut nous dire c'est pas seulement haïtien, vénézuélien ont été utilisé en pile. Gagné nicaraguayen yo même qui utilisait l'autre moyen mais en pile sud-américain te kon utilisé forêt en pile pour que yo capable rentrer aux États-Unis illégal. Gouvernement Biden dan, par rapport avec élection qui pral arriver dans pays yo, yo décidé pour que yo capable faciliter moun sa yo rentrer aux États-Unis mais pour autant yo a besoin seulement yon sponsor pour que yo capable rentrer aux États-Unis. Et les yo pral rentrer yo pas besoin visa. Yo pas besoin visa seulement a yon autorisation que yo a ba yo pour que yo capable rentrer aux États-Unis. Eh bien automatiquement gen des moun ki utilize lan men. Faut nous dit que gagné environ 117 migrants haïtiens qui débarqué hier mercredi dans pays États-Unis par bateau. Yo utilisé l'ange eh bien Key West qui dans état Floride là aux États-Unis, yo t'ai utilisé yon petit bateau eh bien d'après ça que journal Miami Herald rapporté. Eh bien bateau ça, il est arrivé à environ 100 mètres condominium nan, qui a 1800 de distance Atlantique qui tout près Hard Beach. Yo t'est arrivé aux environs de 3h40 nan matin. Faut nous dire parmi compatriotes ça yo qui t'est arrivé aux États-Unis qui t'est utilisé ti bateau ça pour t'est rentré aux États-Unis, eh bien gagné en pile femme, gagné en pile ti moun parmi compatriotes ça yo. Malheureusement pour compatriotes ça yo, yo fouke la patte sou yo, yo kembe yo et yo pral déporter yo, yo pral pimpe yo tourner en Haïti. C'est les moun k'ap kouri pour nèg exam dans pays yo. Eh bien faut nous dit que moun sa yo automatiquement yo pap gen chance pour que yo capable participer dans cadre programme parole humanitaire là, programme Biden nan pendant 5 l'année. Cette prochaine année qui va venir là, yo pap capable participer dans cadre programme ça. Même que yo ta appliqué pour yo, yo pap ka aller aux États-Unis, même que yo ta fait demande de visa, jodi an la an d'accord que ambassade États-Unis li pa l'ouvri. Ambassade dan relouvri, yo a baye processus demande de visa, mais moun sa yo pap capable rentrer aux États-Unis parce que yo en contradiction avec loi américaine, immigration américaine, parce que les États-Unis clair sur ça, depuis que ou tenté rentrer dans pays illégal, l'a sanctionné ou. C'est une raison qui fait que journée jodi an, les États-Unis baye accès avec trois pays ça c'est Haïti, Venezuela et Nicaragua. Faut qu'on dit jusqu'à présent programme dans la bien déroulé malgré que insécurité hein, malgré que coup de balle qui t'a tiré dans zone airport qui était obligé airport là lui-même était fermé, majorité pays était obligé camper question voyage de yo pays à Haïti. Vis-à-vis de difficultés qui gagnent pour arriver à Portland, pour avion atterrir à Portland, même que je ne veux dire pour problème ça les résoudre. Eh bien, faut que nous dit que dans minute n'a parlé là, sorti janvier 2023, arrivé eh bien à avril, arrivé avril, gagné 184,600 Haïtiens qui déjà bénéficier qui déjà joignent autorisation pour rentrer aux États-Unis dans cadre programme parole humanitaire. Si c'est vrai gagner 184,600 haïtiens qui joignent autorisation, faut nous dire c'est 90% dans yo qui déjà joignent chance pour rentrer aux États-Unis. 10% yo pas qu'à rentrer par rapport avec difficulté qui te gagne dans pays mais
grâce à Dieu, difficulté ça, il résout, il pas résout à 100% parce que je dis là on d'accord que il y a des voyages commerciaux entre les États-Unis et Haïti, je dis hein, qui fait que eh bien en pile dans moun sa yo, soit yo au nombre bien de yo au nombre de 17800 combien eh bien qui yo même déjà rete en Haïti, qui en Haïti toujours même que yo bénéficié eh bien autorisation pour que yo capable rentrer aux États-Unis et pas seulement Haïti programme de j'aime t'a dit qui gagne droit pour qui gagne droit avec programme ça mais gagne tout yo pays tant que Venezuela qui gagne droit ensemble avec programme ça et gagne tout pays Cuba et pas Cuba c'est Nicaragua de préférence qui gagne droit avec programme eh bien parole humanitaire là. Si c'est vrai Haïti c'est pays qui gagne plus monde qui bénéficie de programme là qui gagne en joindre autorisation pour entrer aux États-Unis Venezuela c'est deuxième pays hein, puisque gagne 109200 vénézuéliens qui eux-mêmes déjà joindre autorisation pour rentrer aux États-Unis dans cadre eh bien programme parole humanitaire là qui c'est programme Biden là. En pile cubain en pile dominicain yo tenté tout pour bénéficier de programme nan gen en pile cubain qui bénéficier qui gen passeport haïtien côté yo joine yo nous pas connait on d'accord que en Haïti gen réseau mafia cap travail bien en pile cubain en pile dominicain yo bénéficier de passeport haïtien yo appliqué normalement avec passeport haïtien et puis yo bénéficier de programme là. En d'accord je vous dis hein, Cuba son pays communiste. Comme pays communiste, Cuba yo a cherché une vie meilleure. Le fait que yo a cherché une vie meilleure, yo obligé gen en pile Cuba là qui en Haïti. Yo obligé la gen pied yo aux États-Unis, yo obligé faire fraude. Mais faut que nous dit que moun sa yo gen ta aller mais gen enquête k'ap mené à n'importe quel moment les États-Unis capable déporter. C'est ça qui est belle dans un pays qui a une loi. C'est ça qui est belle dans un pays eh bien, qui a un ensemble de règlements vis-à-vis de un groupe monde pour entrer ou de respecter le règlement. Si toutefois ou pas respecter le règlement, je vous dis qu'il a déporté, il a pimpé ou tourné en Haïti. Eh bien, information, c'est que il y a un groupe haïtien, il y a au nombre de 117 qui t'a tenté rentrer illégal aux États-Unis hier mercredi eh bien 25 juin 2024 là haïtien sa yo yo vinn pas éligible pendant 5 ans pour yo rentrer aux États-Unis parce que yo violé yon loi que les États-Unis mettaient eh bien loi c'est que ou pas doit rentrer dans pays illégal soit par la mer ou bien pas eh bien pas terre ou pas yon loi rentrer dans ça le fait que ou rentrer dans yon ou viole loi ça eh bien yon nan ba ki gen c'est que yo a pran sanction contre ou et sanction la sévère la loi est dure mais c'est la loi si c'est vrai en Haïti nous pas faire respecter loi mais pays qui gen loi qui gen moun eh bien yo fait respecter loi mes compatriotes sa yo pas capable aller aux États-Unis yo pas capable faire demande de visa et pendant yon période de temps qui évalué à 5 ans. N'a quitté question immigration pour que nous capables aller dans l'autre pays cette fois-ci nous pour aller dans pays Bolivie. Zami internaute, sa image d'am regarder là c'est image l'armée pays Bolivie. Mais Bolivie qui gagne président qui relait Luis Arce. Luis Arce qui c'est président, am regarder sur l'écran là. Luis Arce, qui est président pays Bolivie, hier, li lance yon appel à yon mobilisation nationale par rapport avec yon coup d'État qui a manigancé contre lui. Li pa fait même gens ensemble avec président Jovenel Moïse, le feu Jovenel Moïse, qui était au courant de yon tentative de kidnapping, yon tentative de coup d'État. Contre lui, lui au courant, lui pas fait rien, lui était chita là, voyez message,
Jean Mounio dit, voyez de l'eau, voyez pirouette. Eh bien, il n'a pas fait rien contre ça. Pendant que le président Jovenel Moïse gagne la police, il a gagné l'armée, il a gagné un groupe de monde qui a sympathisé ensemble avec lui. Eh bien, le président bolivien n'a pas parlé de Luis Arce, monsieur ça, il n'a pas été indifférent par rapport avec information que les joignent pour côté service de renseignement li comme quoi qui ont tentative de kidnapping tentative eh bien de gon tentative eh bien de coup d'état vis-à-vis de lui. Automatiquement l'armée était en branle, qui ont beaucoup quantité dans population qui était campé sous deux pieds militaires, yo yo dit ça ça pas passer, président pas capable prendre coup d'état. Eh bien, président, qui allait plus loin, automatiquement, il lançait, pour nous dire que, il y a un pile soldat avec plusieurs blindés dans l'armée, qui était tout à rebord de palais présidentiel. Nous connaissons le palais présidentiel, qui dans la capitale, on a parlé de La Paz. La Paz, c'est capitale, pays, Bolivie. Mais nous, capables, c'est ensemble de militaires sa yo qui yo même t'a déployé eh bien nan pays an bon palais population gen sécurité que l'armée li même li te mette par rapport avec eh bien information ça eh bien appel ça que président pays an Luis Arce n'a rappelé qui c'est premier citoyen pays Bolivie, d'ailleurs, qui t'a dans l'élection, qui remporte l'élection, t'es lancé vis-à-vis de l'armée. Eh bien, l'armée, il était en branle. Mais automatiquement, président, fin lancé ça, président fait une déclaration. Président, n'a parlé de Luis Arce, il déclaré et n'a pas cité. Nous pas permettre pour une tentative coup d'État dans le pays. Il exhorté tout petit pays pour défendre la démocratie. Démocratie, c'est pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Puisque c'est peuple qui te bat le pouvoir. Pouvoir, c'est pour peuple et pouvoir, c'est peuple lui-même, lui doit veiller pouvoir. C'est une raison qui fait que peuple lui répond. Parce que c'est peuple qui t'a voté Luis Arce dans la dernière élection qui t'a faite dans le pays, eh bien, Bolivie. Par rapport avec appel ça, population, li t'a campé. L'armée, li t'a campé. Eh bien, Pop nous dit que moun qui était à l'origine de tentative de coup d'État ça, li pat l'autre que eh bien chef l'armée pays bolivien qui gen c'est général Juan José Zuniga, général Juan José Zuniga, c'est monsieur qui était à l'origine de tentative de coup d'état ça. Pour nous dit que l'armée li arrêté eh bien général Zuniga. Dans le moment que monsieur devant la presse, monsieur devant un groupe journaliste, l'a fait déclaration, l'a parlé, eh bien, l'armée, les quelques membres au niveau de force armée bolivienne, ils ont arrêté monsieur ça. Ils ont posé la patte sous lui par rapport avec et action que l'État commet là. Dans le moment que monsieur tape prend la parole et lui déclare, force armée pays bolivienne a tenté pour que lui capable de restructurer la démocratie. Selon Zuniga, qui est général en chef de l'armée Bolivie, eh bien, lui pral tenté pour le capable de restructurer la démocratie dans le pays. Et il y a les plus loin pour le dire que eh bien démocratie hein, c'est un véritable enfer pour pays Venezuela, pour pays Bolivie. Il dit qu'un groupe monde qui kembe pays hein,
pendant 30 à 40 ans, il a dirigé le pays, eh bien, il va le tenter pour que il soit capable de craser ça. Il y a un groupe militaire qui est ensemble avec lui. D'ailleurs, il prend un blindé. Nous capables de blindé sous l'image là. Eh bien, pour que il soit capable de tenter de craser la barrière présidentielle. Et automatiquement, il a écrasé la barrière là. Il a privé tout droit sous Luis Arce, qui est président du pays. Et dans le moment où il a privé sous lui, il a fait ni de ni droit. Il a marré le président et il a dirigé. Automatiquement, il a marré le président. Eh bien, c'est lui qui a gagné. Eh bien, et commande, pouvoir, c'est en bas contrôle, l'armée lui-même, il a gagné. Président qui compte ça, président, lui lance appel là, et l'armée, lui pas prend temps pour que lui était capable de mettre sous deux pieds militaires, soldat pas prend temps pour te mettre sous deux pieds militaires, et finalement, il finit par arrêter, eh bien, et chef de l'armée, on a parlé de général Juan José Zuniga. Et malgré que vous fin arrêté Zuniga, parce que si vous tel complot vis-à-vis de République, là, vis-à-vis de président, Zuniga n'est pas le seul monde qui vraiment, eh bien, non, tentative coup d'état ça. Vous arrêté tout, vous deuxième monde. Deuxième chef là, mes pays bolivien, li arrêté dans la nuit mercredi. Pour l'ouvrir jeudi, après yon échec de tentative de coup d'état qui était annoncé par ministre gouvernement, n'a parlé de Juan Ernest Salvador, qui lui-même c'est chef, eh bien, l'armée, c'est chef marine. Nous connaissons dans l'armée, il y a plusieurs branches. Zuniga, c'est chef, l'armée terrestre, là, mais et Pablo, Juan Ernest Salvador, monsieur Salimem, c'est chef marine. Eh bien, automatiquement, yo fait annonce là, tout service secret dans le pays Bolivie, tout météo au diapason, yo a informé, yo a enquêté tout le monde qui suspecte, yo a embarqué. D'ailleurs, yo déjà pris deux gros poissons. Yo prend premier poisson hier, et jodi an, premier poisson, n'a pas appelé qui c'est Zuniga. Et aujourd'hui, yo arrêté yon l'autre poisson. Yo arrêté yon l'autre poisson. Eh bien, jeudi. Après général Juan José Zuniga, qui c'est chef l'armée terre, et yo arrêté plusieurs tout dans soldat, monsieur, qui t'a avancé vers Palais. Et Palais, n'a pas rappelé qui relait Casa Grande del Pueblo. Casa Grande del Pueblo, c'est donc attribué avec Palais présidentiel. N'a pas rappelé, eh bien, qui la Paz, qui est capitale pays Venezuela. Il y a un deuxième responsable dans le militaire qui a arrêté. C'est Juan Ernest Salvador, qui c'est chef, eh bien, marine. Si Zuniga, c'est chef l'armée terrestre, eh bien, Juan Ernest Salvador, qui c'est chef marine, eh bien, faut nous dire que, yon arrêté, eh bien, yon certain de Eduardo del Castillo, qui c'est bras droit Zuniga, qui c'est chef l'armée. Yo arrêté deux monsieur Sao qui c'est deux militaires, eh bien Putschis. Yo tap tenté pour que yo te capable bay yon coup d'état avec Luis Arce. Malheureusement, coup d'état qui échoué. Jounen jodi an, eh bien deux monsieur Sao yo en bakòd, yo pral raconter pour qui raison yo pral tenté bay coup d'état. Et garanti ou pèl monsieur Sao capable vraiment cruel. Parce que tentative de coup d'état, président capable mourir, président capable assassiner, gon somme de bagay qui capable arriver et yo pas jouer ensemble avec monsieur Sao. C'est des pays côté que gagner des chefs d'état qui connent responsabilité comme chef d'état
et yo gagné des services de renseignement qui travaillent pour yo qui pas même gens ensemble avec Haïti qui différent de Haïti parce que je dis là si c'est vrai en Haïti yo informé nous que gagné yo service de renseignement soit au niveau de la police nationale soit au niveau de la primature ou bien de la présidence mais c'est des monde qui touché sans que yo pas travail parce que en d'accord ensemble avec nous en Haïti que en Haïti, à chaque fois que la police pral mener des opérations, la police toujours apprend des faits, la police toujours ap compte cadavre, la police toujours ap victime parce que pas gagne un service de renseignement au niveau de la PNH. Si des gros services de renseignement bon côté la présidence, le feu Jovenel Moïse pas ta mourir dans état que li mourir. Parce que c'est pas moi qui va l'apprendre nous que président Jovenel Moïse qui est déjà au courant eh bien de une tentative de coup d'état d'ailleurs tu gagne une tentative de coup d'état qui t'est faite déjà malheureusement qui pas abouti deuxième tentative de coup d'état eh bien ancien président Jovenel Moïse t'a pas victime de deuxième tentative de coup d'état ça et aujourd'hui président Jovenel Moïse il va là c'est parce que pas bon service de renseignement bon côté la présidence ou bien si gèl tout li pa travail qui fait que ça t'est arrivé le feu Jovenel Moïse li t'est tombé par rapport avec eh bien action ça yon groupe de colombiens mélangé avec yon groupe politicien haïtien d'après information gèl l'autre couche dans secteur public là et privé qui t'est participé dans assassinat eh bien odieux ça de feu Jovenel Moïse tentative de coup d'état dans pays Bolivie service de renseignement présidentiel là au courant eh bien Zuniga et consort yo pas arrivé abouti ensemble avec objectif yo qui s'est rivé à rivé eh bien bail coup d'état avec Luis Arce qui c'est président pays Bolivie. N'a font ti kite information concernant pays Bolivie. Nous praler tout droit. Nous praler tout droit dans pays eh bien Ukraine. Nous connaît pays Ukraine qui en guerre. Et par rapport avec la guerre ça qui gagné entre Ukraine et la Russie, gagné plusieurs pion qui a déplacé comme ça tout. Deux pays ont cherché des renforts, ils ont cherché des alliés. Récemment, gagné eh bien président russien a parlé de eh bien Vladimir Poutine qui était fait un déplacement pour aller dans le pays Corée du Nord pour aller chercher eh bien un appui, un allié bon côté eh bien président nord-coréen Pyongyang nous connaît qui gagné plusieurs armes nucléaires. Je dis là Corée du Nord, en pile d'armes nucléaires, en pile missiles nucléaires, eh bien, président ukrainien, président russien, n'a parlé de Vladimir Poutine, il était obligé de rendre, eh bien, dans le pays Corée du Nord, pour que les capables acheter, parler ensemble avec, eh bien, président nord-coréen, eh bien, Pyongyang, dans ce sens, il a signé un accord. Et accord là, il parle que Corée du Nord a baillé la Russie, ZAM, l'a baillé la Russie, soldat et là aussi a permettre que yo développer dans question technologie en d'accord jodi an pays là aussi gen une technologie enragé sous li ces gens de accord ça jodi an nous pas gagner des responsables des autorités qui pour capable chita ensemble avec des pays ça yo pour que nous capable signer des accords avec yo si c'est vrai chita avec yo nous chita avec yo nous signer des accords pour nous capables de joindre des beaux kits. Récemment, nous connaissons un ministre de santé qui est chita avec pays la Chine, Taïwan. Il y a un beau kit. Il y a des durées qui pas même bon, des durées qui expirent, des durées qui prennent le cancer puis devant. C'est le genre de accord ça. Récemment, nous avons un accord de joindre tout. Nous avons plusieurs ballons, faux ballons. Des ballons, plusieurs mouns dans le pays sont capables. On grand monde capable dit bon pour ben dans proche bail et il y a bail des ballons qui supérieurs ça nous te joignons yo va même supérieur bref quel autre accord nous joignons tout oui donc pour motocyclette boxer pour bail policier va faire taxi moto dans la rue et bien que président pays Ukraine
On a parlé de Volodymyr Zelensky, journée aujourd'hui, qui dans le pays Belgique. Qui ça l'a fait dans le pays Belgique? Eh bien, information, c'est qui ça? Volodymyr Zelensky, lui allé dans le pays Belgique pour que lui capable joignons accord de sécurité avec l'Union européenne. Président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans la minute n'a parlé là, lui en visite à Bruxelles. Bruxelles, c'est capitale pays Belgique. Eh bien, objectif visite ça, lui par l'autre, pour le capable signer un accord de sécurité avec l'Union européenne. Eh bien, faut nous dire, c'est ça information. Voyage dirigeant ukrainien en Belgique, Livini, après quelques jours de ouverture négociation formelle pour adhésion Kiev dans l'Union européenne. Plus passé 2 ans après invasion pays, eh bien, la Russie t'est fait tout pays Ukraine, eh bien, président ukrainien Volodymyr Zelensky lui déclarait inapcité. Merci à tout dirigeant Union européenne pour résultat historique ça. Nous t'attendons ni depuis longtemps. Ça est important pour nous en pile et pour tout Ukrainien. C'est ça que Volodymyr Zelensky, président ukrainien, lui a déclaré pendant que l'étape évoqué négociation eh bien qui rivait eh bien ensemble avec Bruxelles pour capable participer dans un sommet chef d'État gouvernement Union européenne. Faut nous dit que dans même dossier ça gagné 12 ans de prison pour un monsieur que yo accusé qui tape aider Ukraine. La justice pays la Russie condamné monsieur ça pour le passé 12 l'année dans prison. Et monsieur ça qui c'est un trentenaire, yo accusé d'est-ce que il était filmé site militaire dans pays la Russie nan idée nan objectif pour capable aider Ukraine, comme quoi monsieur ça c'est un espion, c'est un journaliste. Le fait que l'a filmé des sites militaires, eh bien automatiquement information arrive joindre service secret. Ça m'a dit tout à l'heure, là que ou nan on paye des services de renseignement, président ou gen des services secrets, la police ak l'armée gen des services de renseignement secrets, et gen des informations ou ap joindre. Imagine si toutefois service secret l'armée pas identifié monsieur ça qui t'a filmé site yo pour rapporter pour voyer bay l'Ukraine pour capable bombarder ou konn combien de gars qui t'a pris dans pays an. N'a parlé d'un pays qui déjà en guerre, la goumen avec un pays rival qui c'est Ukraine, et pays rival ça gagné plusieurs alliés parmi eux les États-Unis qui aussi puissant. Pas oublier là aussi, je ne veux dire, c'est un pays qui vraiment a une technologie enragée. Eh bien, après que vous avez découvert ça, vous avez condamné, eh bien, et trentenaire ça pour le passer 12 années dans la prison. C'est ça que l'agence de presse russe fait qu'on est l'incité, eh bien, et Cour suprême Crimée. Cour suprême République Crimée li déclaré coupable. Action ça est déclaré c'est une action de trahison que lié, et du même coup yo condamné pour une peine d'emprisonnement de 12 ans. Journaliste ça. Et monsieur ça li pral purger peine
ni nan pénitencier régime strict. C'est sa service, cité agence, presse RIA, Novosti fait qu'on est. Monsieur ça, qui gagne 33 l'année, li te habité Crimée, nan péninsule ukrainienne nan, qui vraiment gen annexe li nan la Russie. Mais faut nous dire c'est service sécurité russe qui arrête monsieur ça dans région Pskov qui gen frontière avec pays Biélorussie et li gen frontière tout avec pays Estonie ainsi que Lettonie. Jean de pays ça c'est des pays qui gen des services de renseignement enragés. Imagine aux journalistes là qui a filmé des sites militaires, yo rivé joindre information et eh bien automatiquement joindre information, yo mettez la police ensemble avec l'armée eh bien à la recherche de journalistes là et automatiquement yo mettez en barcode. Yo arrêté un jeune garçon qui a 33 ans, il va passer 12 ans dans prison. En parlant de Volodymyr Zelensky, faut nous dit que Volodymyr Zelensky li convaincu que nouveau gouvernement français pral aider et bien li pral aider yo pral porter soutien ba yo pour que yo capable bataille pi bien contre la Russie. Volodymyr Zelensky déclaré en ap cité, nous croyons que Français yo pral continuer porter support yo avec Ukraine. Nous convaincu que prochain gouvernement pral indépendant face à agresseur russe. Pas oublier amis internautes, nous te dit déjà jodi an la France gagne une meilleure l'armée dans la question pénétration terrestre. Quand il s'agit de l'Europe pénétrer, l'Europe fait des pénétrations sous terre, pas gagner l'armée qui meilleure que la France dans le domaine ça. C'est une raison qui fait que Volodymyr Zelensky déjà gagné support les États-Unis, li gagné parce que je dis là en d'accord que les États-Unis pour qu'on voit soldats donc, li voit matériel. Et m'te dit nous ça déjà dans une émission passée que si toutefois Ukraine t'a perdu guerre ça c'est comme si les États-Unis qui perdent guerre. C'est une raison qui fait que automatiquement tes gon sous-marin Ukraine qui t'est débarqué Cuba, les États-Unis par rapport avec base de Guantanamo ouais ça après deux jours fait sous-marin US parce que sous-marin Kazan là il était débarqué. Après deux jours, il y a gagné un sous-marin qui est USS qui débarquait tout. Il a débarqué, il a montré là aussi, il n'y a pas peur par rapport avec sous-marin qui était débarqué. Il y a un sous-marin débarqué tout. N'importe quoi, ça est, si la bataille est prête pour éclater, elle a éclaté. Jodi, là, on a parlé de un pays qui est puissance mondiale. Première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Et qui gagne un pays qui fait partie de l'OTAN, Ukraine, qui en guerre avec la Russie. La Russie, je dis là, c'est une puissance qui gagne tout dans la question l'armée. C'est une puissance qui gagne tout au niveau de la technologie. Les États-Unis contre qui ça la Russie représente, même j'en tout la Russie contre qui ça les États-Unis représente. Et c'est une raison qui fait que président Joe Biden est toujours prêt pour lui supporter eh bien pays Ukraine par rapport avec guerre ça qui gagnait en deux pays. Et les États-Unis lui vraiment intéressé par rapport avec conflit ça. Gagne pays Sri Lanka. Par rapport avec guerre, yo senti que yo gen en pile difficulté. Yo gen plusieurs Sri Lankais qui en difficulté eh bien dans pays Ukraine et
dans pays la Russie tout. Yo fait un appel par rapport avec Moscou, nous connaissons Moscou, c'est capitale pays la Russie, pour que Moscou capable autoriser citoyens Sri Lanka yo qui enrôlé pour la guerre en Ukraine pour que yo capable rentrer la caillou. Sri Lanka li mandé Moscou pour autoriser ressortissant liyo kap participer nan guerre là pour que yo capable rentrer la caillou si toutefois que yo vle ça. D'après gouvernement Sri Lankais. Sri Lanka qui te voye yon groupe de moun pour aider la Russie à participer dans la guerre, et bien gouvernement lance un appel by Moscou pour le dire comme ça. Si toutefois ressortissant nous gagne la caillou yo, kap et dogoume yo, ta décide rentre la caillou, eh bien, yo ba yo autorisation s'il vous plaît pour que yo capable faire ça. Nous prions en grâce autoriser ça. Kounya, est-ce que Poutine par rapport avec moun que lié pral ba autorisation ça. Pas oublier gen ça, li gen en pile importance pour deux pays yo. Yon délégation officielle pendant ce maintenant eh bien, tu fais deux jours à discuter dans la capitale pays Russie. On a rappelé capitale pays Russie qui c'est Moscou. Côté que yo réclamé compensation pour 17 Sri Lankais qui tué dans le combat. Parce que je dis là, dans pile pays qui a voué moun, il y a pays qui a voué munition, il y a des pays qui pas voué munition, mais pourtant il y a des soldats. Eh bien, il y a 17 soldats Sri Lankais qui mourent dans la bataille qui te déclaré Colombo. Et bien, ministère affaires étrangères là, c'est ça que li fait qu'on est. Par ailleurs, il y a un ancien membre l'armée Sri Lankaise là qui mourit après que le fin rejoigne force ukrainienne là, selon autorité Sri Lankaise. Il y a un ancien membre dans l'armée Sri Lankaise qui mourit après que le fin joindre force ukrainienne qui donc c'est pas seulement eh bien force russe que soldat ont rejoint mais il y a ancien militaire tout qui fait partie de force armée Sri Lankaise là eh bien qui t'a rejoint force ukrainienne et par rapport avec ça eh bien faut nous dit que ancien membre dans force armée il joint la mort tout. Parce que guerre là, il y a une importance particulière pour deux pays ça. Yon nan yo pa vle perdre. Pas étonné donc après guerre là, si toutefois Ukraine ta perdu la guerre là, pas étonné que président ukrainien Vladimir Poutine li prend pays Ukraine, li aide l. Parce que pas oublier Ukraine c'est une branche dans la Russie. Parce que c'est deux pays qui sont très près. Poutine déclaré pour le taper Zelensky. Le fait que Zelensky a joué autant organisation de traité Atlantique Nord. C'est sigle ça, autant, mais c'est signification. Eh bien, toute sorte de conflit ça yo, tout ça yo yo une importance particulière pour nous-mêmes et n'a aidé au surveiller de très près conflit ça qui gagnait entre deux pays ça on a parlé de Ukraine et la Russie parce que tous les deux présidents yo a déposé des pions. Zelensky bon côté parle la signé accord et Poutine bon côté parle la signé accord gagné accord qui signé entre Poutine et Corée du Nord
Eh bien, amis internautes, pas étonnez-nous si toutefois accord ça qui signé entre deux chefs d'État, accord ça capable de tourner contre Poutine. Pas étonnez-nous. Poutine qui déplacé Pyongyang, Pyongyang qui c'est capitale pays Corée du Nord, le président Wislan, li signé dans date 19 juin qui s'est passé là avec Kim Jong qui c'est président nord-coréen, yon traité de défense mutuelle. J'aime dit nous m'te déjà parlé de traité ça qui était signé entre deux présidents yo. Vladimir Poutine li capable montrer qui li que li pas vraiment ostracisé sous scène internationale. D'après ça que yon journal hebdomadaire dans pays britannique, pays Angleterre, eh bien déclaré dans éditorial li. Mais rapprochement ça capable yon déficit pour président Poutine. Parce que à quoi ça li capable resserrer alliance anti-chinoise dans la région et contrarié Xi Jinping, nous connaissons qu'il lui-même c'est président de la Chine. Ce même passé en visite et Vladimir Poutine dans la Corée du Nord, il n'est pas seulement allé dans la Corée du Nord, Poutine pas seulement allé dans la Corée du Nord, Poutine est allé tout dans le pays Vietnam. Eh bien, il est capable de susciter une grande consternation parmi puissance occidentale yo, ça qui paraît fort probable intention, eh bien président Wislan lui montrer que invasion illégale à une grande échelle dans pays Ukraine lui condamné, ça a gagné en pile pays qui condamné invasion ça, et il dit invasion ça que la Russie, invasion que l'armée Wislan te fait dans pays Ukraine, c'est une invasion illégale que lié. Et le fait que li c'est une invasion illégale, eh bien ça capable de gagner des conséquences par rapport et avec invasion ça, et on capable même river sanctionner eh bien président Vladimir Poutine qui c'est président pays la Russie. Faut nous dit que gagner en pile chef l'État qui fait partie de OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord, eh bien, qui compte voyage Poutine. La guerre en Ukraine n'a grand pile monde qui en doute de lui. Jodi an la, li vini yon question planétaire. C'est un pile pays dans la planète là qui commence à fourrer bouche dans la question. Parce que il y a un pile moun qui pense que guerre là li campé. Non. C'est vrai qu'il y a un pile négociation qui a fait pour que guerre là li capable fonti campé, mais comme ça tout guerre là la continue. Et jusqu'à présent il y a victime dans tout de camp yo. Récemment la Russie t'a attaqué Ukraine. Et Ukraine t'a bailli une réponse par rapport avec attaque russe là. Gagné dictateur nord-coréen Kim Jong-un, j'aime te dire qu'il te signé un accord avec Vladimir Poutine. Par rapport avec accord ça, gagné des pays comme la Chine qui lui-même constitue une alliance internationale antidémocratique et anti-occidentale. Traité en li clair, lié la Chine. La Chine li bon côté les États-Unis. La Chine gagne une forte armée. La Chine récemment Corée du Sud, Corée du Nord, yo gon on sorte de provocation été fait vis-à-vis de Corée du Sud. Donc on est deux pays ça yo partager frontière. Et bien provocation c'est qui ça? C'est comme ça moun nan pays Corée du Sud terété, yo te wè que gen des excréments kap sorti sous frontière Corée du Nord là kap tombe dans pays Corée du Sud des sachets poupou des poupou
qui tombe dans l'autre pays. Pas étonné nous guerre ça entre la Russie et l'Ukraine capable de déclencher une troisième guerre mondiale. Et troisième guerre mondiale là, c'est une prophétie biblique. Tout temps la privée. C'est un chauffeur qui est là. Parce que allier plusieurs, allier deux pays ça, yo n'a pas supporté l'autre. Yo n'a pas supporté l'autre. Deux pays ça, yo a cherché d'autres alliés. Yo a cherché d'autres alliés. Puis yo capable de jouer un support soit au point de vue militaire, au point de vue technologique. Militaire, c'est soit vous voyez missiles, soit vous voyez matériel, SAM, blindé, avion de guerre, tout ça vous voyez, ou bien soit vous voyez des hommes, vous voyez moun à la bataille. Et au point de vue, internet, bah, ça y a des pays. Yo même qui capable de voyer des missiles, des antimissiles pour contrecarrer des missiles. C'est un guerre qui est vraiment important dans l'histoire le monde. Et guerre ça, il est capable de déclencher sous une troisième guerre mondiale. Parce que il y a intérêt pour toujours être sous pays ça pour nous informer. D'ailleurs, jodi an nous te partage en pile information ensemble avec nous. Nous te partage information avec nous concernant le programme Biden nan, côté que gen plusieurs haïtiens qui capable ouais que yo disqualifier tête yo sans que yo pote ko même rentrer dans programme nan pour yo pas participer dans programme nan. Bien hier gen 117 compatriotes qui yo même te organiser des voyages illégaux, yo te rentré aux États-Unis. Et mes compatriotes, ça yo pas ka rentrer dans cadre programme Biden nan encore, même que yo ta vin appliqué pour yo, y a une période de 5 l'année côté que yo pas ka piler sol américain. Nous te parler tout de tentative de coup d'état ça qui te gagné dans pays Bolivie côté que hier Bolivie était en liesse, Bolivie presque prend du feu. Par rapport avec chef l'armée Zuninga qui t'a préparé une tentative de coup d'état vis-à-vis de président Yohan, qui c'est Luis Arce, et Luis Arce qui était obligé de faire un appel à toute nation, à toute force vive pays Bolivie contre tentative de coup d'état ça. Et finalement l'armée était sous deux pieds militaires, population était sous deux pieds militaires, dans ce sens ça tentative de coup d'état qui échoué, et il faut nous dire qu'ils ont arrêté deux gros chefs dans l'armée parmi eux, Zuninga. Et puis nous avons essayé tout faire une petite approche par rapport ensemble avec les difficultés ça, et pas difficulté de référence, mais il faut nous dire par rapport ensemble avec accord ça qui signé entre eux, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, avec Union européenne, pour que Union européenne capable d'aider pays Ukraine vis-à-vis de guerre ça. Et nous avons essayé ouais tout accord qui gagne entre président nord-coréen, on a parlé de Pyongyang, et président Winston qui lui-même c'est Vladimir Poutine. C'est information ça que nous avons ouais ensemble avec nous, n'a demandé pour que vous capable toujours visiter plateforme là et abonner ensemble avec lui pour que vous capable toujours être informé. Si toutefois vous pouvez faire ça, n'a invité abonner, et si toutefois que nouvelle ça est arrivé la caillou, n'a demandé pour que vous capable partager pour plus monde capable vivre information en temps réel. Nous te prenons plaisir pour que nous te capable rentrer la caillou, pour que nous te capable vienne informer.